Bonjour à tous mes chers amis et merci de me retrouver pour ces nouvelles énergies du jour en ce mercredi 13 janvier 2021. J'espère que vous allez tous bien et que vous êtes tous en forme. Je suis très en retard aujourd'hui puisqu'il est 10h-25 à l'heure à laquelle je suis en train d'enregistrer la vidéo. Donc il est fort probable que vous ayez la vidéo sur les coups de minuit puisque le temps de la compresser, de la poster, à mon avis, elle ne sera pas avant minuit. Donc je vais essayer de faire une vidéo assez courte pour qu'elle puisse être rapidement sur la chaîne. Et du coup, on va utiliser les cartes. Et ça ira très bien, on va pas se lancer dans des grands trucs. Juste pour vous dire que je vais peut-être échapper au dentiste parce que du coup, ma dent, donc c'était bien ma dent de sagesse, et elle a pris sa place, la gencive a fini de percer et la douleur s'est vraiment bien atténuée. Donc ça va, pour le moment c'est supportable. Je vais quand même surveiller dans les jours à venir pour m'assurer que c'était bien ça, que c'est pas autre chose. Mais du coup, encore cette nuit, j'ai super mal dormi, pour pas dire pas dormi du tout, j'ai dormi 4 heures. Donc, autant vous dire que j'étais vraiment claqué et j'étais limite parti pour ne pas faire de vidéo. Et puis là, on avait fini de manger, je me suis dit, tiens, je me sens un petit peu pas trop mal, je sens un petit peu d'énergie, je vais en profiter, je vais faire ma petite vidéo. Et puis voilà. Bon, j'espère que vous, de votre côté, vous allez bien. J'ai l'impression d'être très très blanc aujourd'hui, non? Je sais pas. C'est bizarre, des fois, ma softbox, soit elle éclaire trop et j'ai l'impression d'être super blanc, soit elle éclaire pas assez, j'en sors. Bon, on va pas chercher à comprendre. Bon, écoutez les amis, on va se prendre simple, on va se la jouer simple, on va prendre l'œil dans le noir pour l'oracle. On va se prendre les runes. On va se prendre les runes et on va se prendre, peut-être pour la partie amoureuse, l'oracle du Sacré-Cœur. J'adore, j'adore ce jeu, il ne me quitte plus depuis que je l'ai. Donc on va se prendre lui pour faire les énergies d'amour, du coup les runes. Et puis si on va se faire un combo spécial Dorine Gilbert, du coup les énergies d'amour avec le Sacré-Cœur et on va se faire la petite carte du jour avec le Divinum. Allez, c'est parti tout de suite. Je me lance pas dans du blabla. Je vous ai dit que j'allais essayer de faire une vidéo courte, donc on va essayer de se la faire en 10 minutes, 10-15 minutes. Alors je me suis dit que vous alliez vous inquiéter si je faisais pas de vidéo. Donc, en plus, comme hier, je vous ai dit que je me rendrais dans le temple d'Isis et que du coup j'allais me retrouver avec les pharaons ou je ne sais quelle époque, je me suis dit, s'ils ne te revoient pas demain, ils vont penser que tu t'es rendez-vous, tu t'es rendu au temple d'Isis, que tu as ouvert un portail et que du coup tu as disparu, qu'on ne te reverra plus jamais, donc je pourrais pas vous faire ça. Allez, c'est parti pour notre petite carte du jour et nous avons la numéro 11. La 11, la 11, la 11. Allez, je vous la montre de plus près. J'adore, qu'est-ce qu'il est beau ce jeu. Je sais, je me répète, mais... Alors, la 11. La 11 nous dit, cette carte concerne tout ce qui touche au travail dans votre vie. Votre activité professionnelle peut être remise en question ou peut-être avez-vous de nouveaux projets, de nouvelles ambitions concernant la place que vous occupez dans la société. De façon plus générale, il peut être nécessaire d'approfondir un travail intérieur, de vous enrichir de nouvelles expériences, d'oser sortir de votre zone de confort pour vous libérer des schémas de pensée qui jusqu'à aujourd'hui vous ont empêché de vous réaliser, afin d'utiliser pleinement tout le potentiel qui est en vous. Les mots-clés sont travail, activité, emploi, expérience et potentiel. Et pour la petite phrase, je demande à l'univers de m'aider à améliorer ma vie professionnelle ici et maintenant. Donc autrement dit, les amis, on est encore dans ces énergies d'évolution, de choses qu'on a envie de mettre en place, de nouveautés, etc. Et là, aujourd'hui, ça nous parle d'énergie liée au domaine professionnel. Donc si vous avez un besoin dans le domaine professionnel, c'est le moment de le réaliser. Si vous avez envie d'évoluer dans votre carrière professionnelle, c'est aussi à vous d'enclencher ça. Alors peut-être que ça peut nous parler ici d'opportunités professionnelles, ça pourrait nous parler d'une forme de promotion ou d'évolution, bien sûr, je vous le souhaite vivement, et ça pourrait nous parler aussi peut-être que pour certains d'entre vous, et malheureusement, j'ai peur que ce soit un petit peu l'ambiance de 2021, c'est-à-dire qu'avec la crise économique qui arrive à grand pas à cause de cette crise sanitaire, beaucoup d'entre vous risquent de connaître malheureusement le licenciement économique.
Hélas, j'ai envie de vous rassurer en vous disant que ce n'est pas une fatalité de vivre ça, et voyez-y plutôt une forme d'opportunité pour peut-être réaliser ou mettre en place quelque chose que vous avez envie de faire, mais que soit vous n'osiez pas faire, parce que vous disiez, bah mince quand même, je suis salarié, j'ai un contrat, je peux pas me lancer dans une telle aventure et risquer de tout perdre. Bah, j'ai envie de vous dire, si jamais vous vous retrouvez dans une situation où vous avez entre guillemets déjà tout perdu, vous n'avez plus rien à perdre. Donc autant vous lancer dans un nouveau projet, dans quelque chose qui vous faisait envie mais qui vous faisait peur, ou que vous ne pouviez pas encore réaliser, puisque ça peut être une opportunité de la part de la vie pour vous permettre de réaliser ceci. Un petit peu comme moi, je prends mon exemple, hein, quand j'ai été licencié économique. Je cache pas que je l'ai un petit peu mal vécu les premiers mois. Et puis rapidement, je me suis dit, eh ben non, en fin de compte, parce que ça va te permettre de t'investir pleinement dans ta chaîne. C'est d'ailleurs grâce à ça que j'ai pu ensuite ouvrir ma chaîne, puisque avant, c'était principalement sur Facebook que je faisais l'œil dans le noir. Mais à partir de mon licenciement économique, vraiment, je me suis dit, bah, tiens, vois-y plutôt une opportunité là-dedans pour pouvoir faire autre chose de ta vie, pouvoir enfin réaliser ce que tu as envie de faire. Et bah, aujourd'hui, on en est là. Donc, vous voyez, parfois, de quelque chose de mauvais, on peut en tirer quelque chose de bon. Donc, peut-être qu'aujourd'hui, soit aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui ou dans les jours à venir, d'accord? Hein, c'est pas spécialement qu'aujourd'hui, mais aujourd'hui, on nous parle d'évolution en lien avec la profession. Donc, si vous avez des envies, des désirs, c'est le moment de les réaliser. Allez, on va se prendre une petite rune pour compléter tout ça. Attendez. C'est vrai qu'il faut que je les mette à l'envers. J'ai toujours pas reçu mon deuxième jeu de runes. Je commence un petit peu à m'inquiéter quand même parce que j'aurais dû le recevoir déjà depuis un moment et je trouve ça bizarre de ne pas l'avoir reçu. Donc vous inquiétez pas, hein, si certains d'entre vous ont commandé des jeux sur ma boutique et que vous n'avez pas reçu, comme vous pouvez le voir, hein, je suis le premier aussi à pas recevoir dans les temps. Mais vu le bazar que c'est en ce moment. C'est aussi pour ça que j'ai reculé les précommandes et là j'espère qu'on pourra les faire comme je vous l'ai dit à la mi-février, qu'on sera pas reconfiné ou je sais pas quoi parce que ça commence à devenir un peu lourdeau maintenant, hein, un peu beaucoup même. Allez, c'est parti, hop, je coupe en deux et nous avons Féou, ah mince. Féou, elle est dans le mauvais sens de lecture. Féou nous parle ici d'une perte monétaire, donc aujourd'hui vous pourriez être amené à perdre des sous. Perdre des sous, ça peut nous parler soit eh bien, de dépenses, d'achats, quelque chose, peut-être une note, une facture imprévue à payer, quelque chose. Alors pourquoi je pense à ça? J'ai le mot garage en tête. Est-ce que certains d'entre vous vont être amenés à régler une note en lien avec le garage, avec la voiture? Je vous le souhaite pas, bien sûr. Je sais pas pourquoi je rigole d'ailleurs, parce que c'est pas du tout drôle. Le mec, il est en train de vous annoncer une bonne nouvelle, il se marre. Bon, je vais pas chercher. Mais voilà, perte monétaire ici, ça peut nous parler d'une perte d'argent, d'une somme peut-être d'argent que vous ne reverrez pas. Ça peut nous parler d'argent perdu tout bêtement. Hein. Je vous en avais déjà parlé une fois, l'exemple du billet qu'on fait tomber par terre. Donc ça peut nous parler. Mais là, Féou, quand même, ça a vraiment un rapport avec le côté matériel, le côté bien. Le côté professionnel, justement, on parlait de profession, hein, donc peut-être qu'il peut y avoir un lien, moi qui vous parlais justement de transition professionnelle, de licenciement économique, etc. Forcément, si vous êtes amené à soit abandonner votre poste, enfin abandonner, dans le sens où vous avez envie de faire autre chose de votre vie, ou alors que vous le perdez sans l'avoir voulu, ou alors ça peut être une baisse de salaire aussi. Ça peut arriver, hein, si vous avez des heures en moins ou si votre contrat a été revu à la baisse pour s'adapter à la crise actuelle. Donc du coup, si vous avez moins d'heures, eh bien, fatalement, vous avez moins d'argent aussi. Hein. Donc ça peut nous parler ici d'une perte monétaire sur plusieurs points. Hein, donc faites attention à vos sous aujourd'hui, les amis. Allez, va regarder un petit peu ça. Mais j'ai l'impression qu'aujourd'hui, ça tourne beaucoup autour de la profession. Donc je pense qu'aujourd'hui, vous allez être amené à faire des choses en lien avec votre travail. Soit ça peut nous parler d'idées. Vous allez peut-être mettre en place des idées ou on va vous proposer des idées ou vous suggérer des idées. Ça peut être également, comme je l'ai dit, une forme d'évolution. Alors l'évolution, elle peut être positive comme négative. Positive dans le sens où vous pouvez peut-être prendre des échelons dans votre travail.
À partir d'aujourd'hui, peut-être qu'on va vous confier des responsabilités supplémentaires. Pour ceux qui sont en recherche d'emploi, ça pourrait nous parler peut-être de certains projets qui vont commencer à se mettre en place. Ça pourrait nous parler de certaines opportunités ou de certaines idées qui pourraient germer et que vous pourriez peut-être commencer à réaliser et à concrétiser. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans cette énergie de profession. Et j'ai envie de vous dire, ça reste logique puisque, comme je l'ai dit, depuis le début de l'année, on est comme ça sur ces énergies de nouveau et ça se sent, vous avez vu, dans tous les tirages. Tous les aspects de la vie sont touchés dans le sens où on est vraiment dans ces énergies de renouveau. Donc profitez-en, j'ai envie de dire, si... oui, je vais me répéter, mais si vous avez des envies, faites en sorte de pouvoir les réaliser, de les mettre en place. Nous avons le cœur brisé ici. Le cœur... Cœur brisé avec la bourse. Alors c'est drôle parce qu'en plus j'allais vous en parler. Comme on a eu Féou ici qui nous parlait de perte monétaire, c'est drôle parce que j'allais vous dire, il faudrait qu'on sorte soit la bourse ou le boulier dans le jeu pour qu'on ait encore une référence à l'argent. Donc ici, on nous parle effectivement, il y a un lien avec l'argent, il y a un rapport avec l'argent aujourd'hui. Alors faites attention les amis, si jamais vous êtes amené à placer de l'argent ou à déplacer, à dépasser... Dé à placer de l'argent, oui, à déplacer aussi, à déplacer parce que du coup, si vous êtes amené à déplacer de l'argent, vous pourriez en perdre. C'était peut-être un lapsus révélateur. Donc ici, ça pourrait nous parler de déception liée à l'argent. Soit vous n'allez peut-être pas obtenir ce que vous vouliez. Alors justement, comment c'est un petit peu lié avec la profession. Peut-être que ça pourrait nous parler de réponses que vous pourriez obtenir. Peut-être que vous n'allez pas obtenir le crédit que vous aviez demandé. Peut-être qu'il va y avoir un problème par rapport à un crédit. Par rapport à une demande d'argent, par rapport à quelque chose qui est lié à de l'argent. Peut-être que vous aviez mis une somme de côté et puis malheureusement, il va y avoir une petite tuilasse qui fait que vous allez devoir piocher dans l'argent que vous aviez mis de côté pour eh bien, compenser cette tuile. Donc il y a vraiment un aspect ici de déception, le cœur brisé, hein, c'est vraiment l'aspect d'être déçu, d'être blasé, de se dire oh, mince, je fais tout ce que je peux pour mettre de l'argent de côté et voilà, il faut que je paye ceci, il faut que je paye cela, j'arriverai pas à mettre de l'argent de côté. Voilà, c'est vraiment dans ce sens-là que je ressens le cœur brisé. Donc, il y a vraiment un aspect avec l'argent. Alors, peut-être aussi que ça peut avoir un lien avec le professionnel de ce que je vous disais. C'est-à-dire que si on parle de changements et de grosses modifications dans l'ordre professionnel, que vous soyez salarié ou que vous soyez sans emploi, en recherche d'emploi, il se peut peut-être que vous aviez un petit pécule. Si par exemple vous êtes en recherche d'emploi, vous aviez peut-être un petit pécule, et puis ce pécule, eh ben, à force de pomper dedans parce que vous ne trouvez pas de travail, eh ben, il arrive un moment où ben, il n'y a plus, il n'y a plus, il n'y a plus. Si vous êtes salarié et qu'on vous annonce une baisse de travail, une baisse d'heures, etc., eh ben, c'est pareil, ça vous fait une baisse d'argent. Quoi qu'il en soit, ici, on nous parle vraiment d'un... Tout ce qui est l'aspect financier, il va y avoir, soit aujourd'hui ou à partir d'aujourd'hui... Pour moi, je le ressens comme des tuiles. Je suis désolé de vous le dire, j'aurais mieux fait de pas faire la vidéo parce que si c'est pour annoncer des mauvaises nouvelles, hein, pour le coup, là je suis sûr que vous vous dites franchement, Jo, t'aurais mieux fait de rester sur ton idée de pas faire vidéo parce que si c'est pour annoncer des trucs pareils. Mais je suis désolé, la vie c'est aussi ça, hein, c'est des bonnes choses, des mauvaises choses. Vous savez ce qu'on va faire? On va se prendre deux petits mots pour venir compléter. J'ai aussi une notion d'argent que vous reverrez, pas. Comme si vous aviez prêté de l'argent à un ami, et puis bah, il vous rend pas cet argent, et cet argent, malheureusement, ça commence à vous faire défaut, vous en avez besoin. Donc ça peut être ça, ça peut être... Alors ça ne veut pas dire qu'il vous le rendra jamais, mais... Ça commence à devenir un petit peu urgent, vous voyez? Ou alors, cette demande de crédit était très importante pour vous parce qu'elle vous aurait permis de financer quelque chose, justement un projet important pour vous. Et le fait qu'on vous le refuse, eh ben ça remet, excusez-moi, ça remet en cause certaines choses. Si on parle d'une perte d'argent par rapport à une tuile, eh ben c'est pareil, hein, c'est encore de l'argent qu'on n'a plus. Mais pour moi, ouais, non, il y a vraiment, il y a une baisse d'argent, il y a quelque chose en lien avec une baisse d'argent. Baisse d'argent, une perte d'argent. Alors, on a le mot bonté qui est apparu. Bonté, bonté et vérité. Alors, bonté et vérité. Pour moi, ici, je ne sais pas pourquoi la bonté,
Je l'associe avec le cœur brisé. Le fait d'avoir fait une bonne action, d'avoir eu une bonne démarche, d'avoir voulu aider, ou voyez, du coup, ça reprend un peu l'exemple que je vous disais. Attention, si vous êtes amené à prêter de l'argent à quelqu'un, parce que les histoires d'argent, que ça soit en famille, en amis, ou les histoires d'argent, hein, voilà, ça finit toujours mal en principe. Donc faites attention si vous êtes amené à prêter de l'argent, parce que vous pourriez ici avoir une confiance qui va être brisée. Le fait d'avoir réalisé une bonne action, le fait d'avoir donné, d'avoir prêté, et au final, eh ben, qu'on ne vous le rende pas de façon proportionnelle. En plus, ça paraît logique, parce que rappelez-vous ce qu'on avait sorti avec le veilleur qui vous disait donne, sois dans l'altruisme, etc. Peut-être que justement, vous allez être dans cette action de bonté et de don. Et malheureusement, on ne vous le donnera pas. Ça peut être aussi toujours lié à la profession. C'est-à-dire peut-être que depuis quelque temps, vous cumulez les heures supplémentaires parce qu'il y a besoin, parce que vous voulez faire plaisir, parce que bah, aussi vous espérez pouvoir acquérir une promotion ou quelque chose comme ça. Et par conséquent, ici, on pourrait nous parler d'un non-remerciement sur des actions que vous faites. Donc là encore, si c'est en lien avec la profession, j'ai envie de vous dire, eh bah, arrêtez de vous tuer à la tâche si tout ce que vous faites en plus n'est pas reconnu et que vous n'avez même pas le salaire qui va avec, faites le minimum. Voilà, faites ce pourquoi ce qu'on attend de vous et basta, c'est tout. Parce que si vous donnez trop, malheureusement, ici pour moi, il y a vraiment une forme de déception. Le fait de ne pas être reconnu à sa valeur, le fait de ne pas obtenir ce que vous mériteriez, il y a vraiment ici un aspect de non-récompense et de déception. Et du coup, la vérité par rapport à l'argent, eh ben, c'est ce que je viens de vous dire, c'est le fait de ne pas être reconnu. Et c'est aussi, pour moi, la vérité, je le vois comme... Je vais essayer de vous expliquer ça. Quand on met de l'argent de côté pour un projet, on se dit, voilà, c'est pour un projet, c'est pour une bonne cause, c'est pour ceci, c'est pour cela. Et puis, il y a la réalité qui vient nous rattraper en nous disant, eh ben non, tu vois, t'avais mis un petit peu d'argent de côté, eh ben non, tiens, il faudra remplacer le frigo parce qu'il vient de lâcher. Il faudra réparer la voiture parce que, il est arrivé ceci, il est arrivé cela. Vous voyez, comme s'il y avait toujours cette notion de réalité qui rattrapait un petit peu et qui faisait office de vérité. Ça pourrait nous parler aussi de certaines révélations par rapport à tout ce qui est lié au domaine financier. Du coup, ça pourrait nous parler aussi de réponses, hein, puisque la vérité peut faire office de réponses, des réponses que vous attendez par rapport au domaine financier. Alors pour le coup, j'ai envie de vous dire, j'ai peur que la réponse ne so enfin, vous déçoive, ne soit pas à la hauteur de vos espérances. Si par exemple, je sais pas, vous avez demandé un prêt de 10 000 euros, eh bien peut-être que la banque va vous répondre qu'elle ne peut pas vous prêter 10 000 euros et que maximum elle peut vous prêter que 5 000 euros, ou voire pas du tout, voyez? Donc il y a vraiment ici pour moi une forme de déception, et c'est surtout une réponse ici pour moi qui va arriver sur le domaine financier. Il y a vraiment un aspect, de toute façon c'est marqué avec Féou, c'est vraiment la rune qui symbolise le côté matériel, le côté les finances, le concret, hein, le pragmatique. Et comme on a Féou qui est à l'envers, et bien malheureusement ça annonce des difficultés dans le domaine financier. Pour moi ça me parlerait plus de... soit de contretemps, de retard, c'est pas forcément un non définitif, mais plus un retard et un contretemps. Pour le moment, c'est peut-être pas encore le bon moment pour réaliser cette chose-là. Ça viendra, mais comme s'il y avait d'autres priorités à gérer actuellement. Et ensuite, quand certaines choses auront été réglées, vous pourrez mettre en place d'autres choses. Allez, on va finir avec une petite guidance sur les émotions. J'espère qu'on va avoir des cartes positives parce qu'il ne manquerait plus qu'on ait des cartes négatives. Ça ira tout, hein, voilà, tout ira très bien. Allez, c'est parti. Nous avons la carte du flash. La carte du flash qui est une carte positive. Et on a une carte qui est neutre qui nous parle de changement et de transformation. Allez, je vous montre. Bon, déjà dans le domaine sentimental et tout ce qui touche au cœur, ici on nous parle de changement, de transformation, donc ça pourrait nous parler, là pour le coup ça parle à tout le monde, parce que soit pour les célibataires, ça pourrait nous parler ici, alors pas forcément de rencontres, mais de potentiels petits coups de foudre, de petites choses qui pourraient se faire. Et peut-être que votre statut de célibataire pourrait un petit peu évoluer et se transformer, puisque vous pourriez peut-être avoir certaines pistes, hein, certaines, voilà, des petites choses comme ça qui vont un petit peu vous...
combler le cœur. C'était pas l'expression que je cherchais, mais ça ira bien. Et pour les couples, ça pourrait nous parler. Pour moi ici, pareil, d'une transformation dans le couple, mais une transformation positive, d'accord? Comme si les petites querelles, les petites choses un petit peu négatives, comme si chacun allait y travailler dessus pour surpasser tout ça, pour dépasser tout ça, afin de relancer un petit peu la relation, repigmenter, j'allais dire. Non, oui, mais si, ça peut marcher aussi. La repigmenter, mais quoi qu'il en soit, que ce soit célibataire ou couple, ici on nous parle d'évolution et de transformation. Donc, ce qui veut dire que dans le domaine des sentiments, il y a des choses qui sont en train de se faire, il y a des choses qui sont en train d'évoluer, et il y a des choses qui vont se transformer et de façon positive, les amis, d'accord? Donc, c'est ce qu'il faut retenir. Qu'on ait au moins ça, qu'on ait le domaine du cœur qui soit positif. Voilà donc mes chers amis pour ces énergies du jour. Eh ben j'ai fait 20 minutes. Moi qui voulais faire 10 minutes, c'est perdu. Allez, c'est pas grave. Je vous fais tout plein de gros bisous. On se retrouve demain pour les nouvelles énergies du jour. Prenez bien soin de vous et puis voilà et puis à demain.